Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du cheval. Tu sais que le cheval a rendu beaucoup de services à l'être humain. Le cheval a été utilisé dans beaucoup de choses. Il a tiré les calèches, il a servi pour se déplacer d'un village à un autre. Donc le cheval, on lui doit beaucoup. L'être humain lui doit beaucoup dans son histoire. Aujourd'hui, il y a les camions, les bus, etc. Mais avant, les gens ils se déplaçaient à pied ou bien à d'autres chevaux. Donc ils se déplaçaient à cheval. Le cheval, c'est vraiment, c'est très méritant. C'est un animal qui a rendu beaucoup de services à l'être humain. Alors regarde avec moi ces images. Donc ici, on peut voir cette personne-là qui vient avec la selle. Il veut la mettre sur le dos du cheval afin de monter à cheval. Parce qu'on m'a dit que je suis drôle, alors je vais essayer de l'être un peu plus. Donc ici, tu peux regarder, ça s'appelle un poulain. Un poulain, c'est le poulain, le petit du cheval. Alors, ici, ça s'appelle une crémière. C'est les cheveux, les poils qui sont sur le cou du cheval. Là, ça s'appelle la selle qu'on met sur le dos du cheval. Et là, ça s'appelle l'écurie. C'est la maison du cheval, là où il dort. Donc, lis avec moi. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on a appris tout ça, bien évidemment, dans une ferme, il n'y a pas que le cheval, il y a les vaches qu'on voit derrière, et aussi il y a le tracteur, et puis il y a les poules qui sont derrière, elles sont cachées, elles sont derrière, elles sont dans le poulailler. Et puis voilà, il faut que les poules fassent attention du renard pour qu'ils ne viennent pas les manger. Bon, on va lire ensemble. Le cheval broute dans le pré. Il broute dans le pré. Ça, c'est le pré. Il est en train de brouter, manger, il mange. Avec son petit... Alors, avec son petit quoi? Son petit poulain. Son petit poulain, c'est écrit là. Il broute avec son petit poulain. Alors, parfois, le fermier met une selle sur le dos du cheval. Donc, des fois, le fermier met une selle sur le dos du cheval. Parce qu'il va monter à cheval. Alors, puis il part se promener dans la campagne. Quand le cheval galope, ça veut dire il court un peu plus vite, sa crinière, ici ce sont les poils qui sont sur son cou, sa crinière est toute ébouriffée. Et toute ébouriffée. Il est comme ça quand il court, il est tout ébouriffé. Bon, on va pas dire excité, mais ébouriffé. La nuit, le cheval dort dans... Alors, c'est quoi? La maison du cheval, elle s'appelle comment? Elle s'appelle l'écurie. Elle dort dans l'écurie. J'aime bien que les chevaux dorment dans l'écurie. Bon, j'espère que cette leçon, ça t'a plu. Et puis, à la prochaine. Au revoir.